Salut Gordon de Zapro Games de ZTV. Alors j'ai une sale gueule parce que j'ai peu dormi. Mais on est en route pour Pinon. Alors nous sommes avec Kirito. Bonjour Kirito. Ouais. Nous sommes avec, vous le connaissez, Redfield. Là c'est son oreille. Ta sale gueule, c'est pas à cause du manque de sommeil, hein. C'est naturel. Toi tu en veux une de sale gueule, tu vas voir. Et nous avons notre ami Berry. Salut, ça va à tout le monde. Si je me retourne et je vous dis bonjour, ils vont tous mourir. Alors bonjour. Est-ce que Berry, tu peux me faire un petit kiff? Ouais, dis-moi. Est-ce que tu peux crier On the road again? Ah, attends, tu es prêt? Vas-y. On the road again! Radar, c'est un kiff. Vous n'avez peut-être pas la ref, c'est normal. On se rend de suite à Pinon, à la salle, comment elle s'appelle cette salle, on sait pas. La salle. Boris Vian pour la PGR, à de suite. On the road again! Avec Formacé et Monsieur Doug. Ah ouais, je me réveille moi. Mais comme nous tous. Je crois qu'il y en a qui sont pas encore totalement réveillés. Alors, tu étais venu nous présenter en exclusivité mondiale. On peut le dire. Oui. Le premier dans tout l'univers. Windjammers. Sur une Mega Drive de toute beauté. J'avais des petits soucis de lancement. Aucun souci. C'était une machine totalement fonctionnelle. De toute façon, on n'a plus le droit de lancer les machines là, ici. Ah bon? Bah oui. Il y a une arrêté. Un arrêté préfectoral, merde. Alors, ce jeu, Windjammers. En fait, on a refait là, les 6 niveaux de la version de Windjammers 1, la version originale. D'accord. Et là, on est en train de travailler pour ajouter deux des personnages de la version prototype, qui est une version qui avait été envoyée pour testing aux États-Unis. Et qui avait été retoqué par les Américains, qui préféraient avoir des humains plutôt que des animaux pour leur jeu. Et donc on a récupéré, à partir de la version collector de Windjammers 2, qui était publiée par Dotemu, on a récupéré des artbooks avec 2-3 screenshots, et à partir de là, on refait le personnage de la panthère et le personnage de l'ours. Et on a un animateur qui s'est joint à nous, qui s'appelle Luc444 et qui a déjà commencé à faire les artworks et qui est en train de travailler sur les animes de spreadsheet, mais ça prend énormément de temps. Après, au niveau gameplay, on est à peu près prêt, on va dire, à 60-65%. D'accord. C'est-à-dire que les bases sont là, les déplacements, les mouvements de disque. Mm-hmm. Mais ce qui me manque à faire, c'est les dashs qui sont en fonction si tu appuies ou pas sur le bouton A. C'est-à-dire que dans la version originale, quand tu appuies sur le bouton A, si tu le relâches, tu arrêtes de dasher. Là, sur ma version, tu appuies sur le bouton A, tu fais un dash de je ne sais plus combien de pixels, mm-hmm. et tu t'arrêtes pas. D'accord. Donc ça enlève un peu au gameplay. Et aussi, retravailler les tirs courbés. Tu as deux types de tirs courbés implémentés, tu en as un où c'est un quart de cercle, un c'est un cercle complet. Aujourd'hui j'ai fait un quart de cercle, il faut que je fasse le cercle complet, et puis surtout que je fasse les facteurs en fonction des personnages, parce qu'ils ont tous des courbes légèrement différentes. Et je veux dire que c'est la partie qui va être la plus technique dans le jeu. Et puis évidemment, une fois que ça sera fait, il y aura toute la partie débugging. Alors Doug, Monsieur Console Plus, quelle note donneriez-vous? En direct.
Voilà, pour une version qu'on pourrait qualifier de bêta, ça a l'air très très bien. Hein. Alors, l'avantage c'est que t'as le jeu original, donc tu peux progresser plus rapidement que si t'étais un peu dans une création pure. Mais on peut, si on n'y fait pas attention, on peut confondre les deux. Déjà, à ce stade de développement, ah ouais. De loin, on peut se dire que c'est la Neo Geo qui tourne alors que c'est une Mega Drive. C'est hyper fidèle, c'est hyper bien foutu pour de la Mega Drive. Franchement, il y a deux, trois petits détails peut-être à revoir, mais ça reste vraiment du détail. Le son est très bon pour de la Mega Drive, en plus, il y a l'utilisation des samples. C'est vraiment sympa. Hein. Après, j'ai testé pas plus que ça. Hein, là. Première impression, c'est très bon. C'est assez impressionnant, en effet. Nous sommes avec Fonzie, créateur de Papillon, ouais. Sur le stand de Thorbe qui va venir. Oui, alors c'est le plus beau stand de Papillon. Tu avais déjà attention, vu ça quelque part. Attention. Ouais. Est-ce que ça t'a impressionné? Ouais. Attends, t'as toutes les versions, les versions du Mega CD. La Game Gear, j'avais vu une photo mais j'avais jamais vu en vrai. Et puis ceux-là, les trucs avec les perles. Génial, j'avais vu. Et qu'est-ce qu'il manque là? Il manque tous les coffrets collector Game Gear. Et... ouais, mais il va les acheter. Une casse, ouais, ouais, ça va. Là, il y aura plus de place. Par contre, je tiens à préciser que Thor a aussi un stand dédié à Fantasy Star plus que complet. Ça, oui, je l'ai. On sent l'expert. Et sinon, je voulais te demander ton avis sur ce festival. Qu'est-ce que tu y trouves d'intéressant? Eh ben, les gens sont super sympas, on s'est bien marré. Je serais bien resté plus longtemps. Ouais. Ah, mais ouais. Ah, faut travailler. Qu'est-ce que tu en penses, cette rencontre entre les créateurs justement et des passionnés? Il y a une proximité qu'on trouve peut-être pas dans les autres festivals. Ouais. Et en fait, tout le monde se connaît plus ou moins. Ça le truc. Ça fait au moins 15 ans là, que tout le monde se connaît. Je viens de croiser quelqu'un que j'avais pas vu depuis 2007. Ou... Oh. Et très très bonne organisation de la part de Yanoche et de son collègue... Darkris. Ah, Darkris. Je transmettrai. Et sache que à mon avis, tu reviens quand tu veux. Je parle à leur place. Hein. Mais ça nous fera plus plaisir en tout cas. C'était super. Ouais, super. Et on espère un jour te voir en Corse. Hein, si j'organise quelque chose. Je suis pas très loin. On se tient au courant. Allez, merci. Bonne continuation. Allez, ciao. Voilà, on est chez le spécialiste du jeu de cul. Bonjour. Bonjour. Guérito, qu'est-ce que tu nous présentes toi? Alors, la console PCFX, la dernière console de NEC. Avec un petit jeu visual novel ici. C'est vraiment une console ou ça s'apparente plus à un ordinateur? C'est une console. Ouais. C'est une console, mais c'est vraiment spécialisé sur le full motion gaming. Genre tout ce qui est un truc style vidéo quoi. Donc je vais changer de chaîne. Attention. En exclusivité. Oh là là. Guérito Auto Game, un futur jeu Mega Drive en cours de développement. Et ça sera un sorte de Street of Rage. Avec le personnage Kirito, c'est-à-dire moi-même en personne. Avec les personnages du YouTube Retro Gaming. On peut trouver qui par exemple? DGGX, Colic Fantastique, enfin bref, toute la clique est là quoi. C'est bien entendu, c'est une démo, hein. C'est en cours de développement. Hein. Ah d'accord. Je suis ici surtout pour présenter le jeu. En avant-première, si on peut dire ça. C'est ça l'avantage de ce festival, il y a plein d'exclusivités que vous ne pourrez voir nulle part ailleurs. Et bien entendu, je ne développe pas dans le jeu, mais c'est une petite équipe qui est derrière dessus. Et en gros, on va dire, l'un des développeurs m'a envoyé simplement la ROM par mail pour la présenter à la PGR. C'est énorme, énorme. Alors ça fait quoi de se retrouver dans un jeu? Écoute, c'est une très belle expérience, c'est sympa, mais je soutiens surtout le jeu pour le concept, le truc couilleux quoi, qu'ils ont fait.
Surtout aussi le travail que ça peut prendre aussi à tout le. C'est pour ça que je soutiens le jeu. Pas parce que c'est moi, donc c'est un personnage qui fait partie de moi. Mais c'est surtout le travail et surtout le concept couilleux du YouTube Retro Gaming. Quoi. Hey, nous sommes Chris. Salut. Mon petit Berry, comment vas-tu? Très très bien, et toi Charles? Ça va, ça va. Après toutes ces années se retrouver là. Oh là là. Ces années où je te détestais quand on était... Souviens-toi, nous étions fin 90, début 2000. C'est nous ça. Avions tous les deux des sites très 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 niches. Second Impact, ouais, hein, c'est bien ça. Joué, hein. Ouais, c'est ça. Et nous c'était ouais. Merce TV, Bioman. Voilà, petite histoire, je regardais les montages vidéo qu'il faisait de Charibane, de X-Sword, etc. Et je les téléchargeais en cachette sans lui dire. Et je regardais ça non-stop. Bravo. C'est du beau ça, monsieur. Et je le diffusais à mes potes en disant que ça venait de moi. Non, je déconne. Ah, bravo. Ça ne m'étonnerait pas de cet escroc. Bravo. Et ben moi aussi, j'ai vu ces vidéos. Ah, je l'ai vu participer au même concours de film amateur. C'est grave. Ah, c'était une époque. C'est une époque. Et on se retrouve là. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes? Du jeu vidéo. Du jeu vidéo japonais. J'avais pris surtout... j'ai axé tout sur les simulateurs japonais un peu loufoques. Donc, il y a un simulateur de bus sur Dreamcast, que Bus Guide. Il y a des simulateurs d'avion, Jet Dego sur PlayStation. Il y a des simulateurs de Sega Rally sur Saturn japonais. Mais, et tu laisses jouer cet enfoiré? Tu laisses jouer cet enfoiré sur ta machine? Alors il se présente pas, il dit pas bonjour, mais depuis il a squatté le stand pendant 2 jours. Non mais c'est quelqu'un de désagréable, il est pas là pour être gentil. Ah, okay. Mais tu sais, il va te faire un drama le mec. Méfie-toi. Surtout si vous battez mon chrono, oui. Voilà. Comme il connaît pas mon nom et je connais pas le sien, ça va encore. Non mais t'inquiète, il connaît tout le monde. Il a fait les fiches. Je l'ai vu à l'entrée. Il a les noms de tout le monde. Vous le connaissez certainement. Vous avez certainement vu ses vidéos parce qu'il inonde le web avec ses vidéos à scandale. Ses dramas. Ouais. T'es vraiment qu'un remueur de merde, j'ai envie c'est de dire. Ça. Et il adore ça. Faut bien que quelqu'un s'y mette. Hein. C'est... Oh, merci. C'est pas vrai. Merci. En forme de Tetris. Ça va pas m'adoucir pour autant. Parce que vous voulez tous lui casser la gueule. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Alors soit vous mettez plein de pouces bleus, soit je lui casse la gueule. Est-ce que vous voulez que je lui casse la gueule? Ah, il n'y a pas de pouces bleus, je suis obligé de te casser la gueule. Non, ça va. Ça fait longtemps que tu fais ce genre de festival, enfin la PGR. Ah oui, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ah ouais, t'es un ancien, toi. Ah ouais, ouais. Bah. Bon, rétro gamer, donc. Ça fait plus de 10 ans, ouais. Tous les ans, je suis là. Tous les ans, je suis dans des conventions rétro et tout. Ouais, ça fait un bon bail. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette édition? Est-ce qu'elle est au-dessus des autres? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a déçu? Rien qui t'a déçu. Non, il y a rien qui m'a déçu. Par contre, cette année, j'ai été surpris par la qualité des pièces qui ont été rapportées. Et il y a vraiment des choses que j'avais pas encore vues, comme la télé Dreamcast, comme la Terra Drive. Alors au bout de 10 ans, t'as encore des surprises? Ouais, au bout de 10 ans, tu continues encore à découvrir des consoles, tu continues encore à découvrir des jeux et tout. Et t'as vu la Master System Girl? Master System portable rose qui est sorti que au Brésil? Non. Master System Girl portable avec sortie antenne, manette. C'est pas une Game Gear, c'est une Master System portable. Ouais, enfin portable, mais il faut quand même la prendre à une télé, ouais. Mais je trouve ça ouf. Bien rose et tout, bien kitsch. Il y a plein de choses hallucinantes. Les bornes Player Choice 10 qui sont juste là. Ouais. Ça, c'est, la PC Engine et la Master System, je les avais jamais vues. C'est incroyable. C'est incroyable qu'après plus de 10-15 ans dans le milieu rétro à faire des conventions à gauche à droite, on continue à découvrir des machines, on continue à être émerveillé. Il y a des pièces de collection qui sont hallucinantes. Quoi. Bon, donc on te retrouvera l'édition prochaine. Ouais. Sauf si je t'ai cassé la gueule d'ici là. Ouais, je t'ai cassé la gueule. Mais ouais, vous voulez, hein, il y en a qui veulent là. Putain, mais casse-lui la gueule, j'en suis sûr. Désolé, je le ferai pas devant la caméra. On va aller derrière, on va s'expliquer. Bon, merci et à bientôt peut-être en Corse. Ah hein? Oui. Moi je vais venir pour du saucisson Corse. D'accord. Obligatoire. On t'attend, de pied ferme. Et là, qu'est-ce qu'on a, mon Gwenno? Va changer de symptôme. C'est ça. Regardez aussi ça, parce que tu sais, c'est le truc qui détecte si t'as ton nom d'écran ou pas. C'est quand tu la refermes. Il éteint l'écran. C'est ça qui est bien. Donc si ton truc pour X raison il est pété ou il appuie pas vraiment, du coup il va pas le miser, tu vois.